Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire des tartelettes aux pommes. Alors, je m'excuse déjà pour ma voix, je suis un peu encombrée en ce moment. Alors, pour notre recette, il nous faut deux pommes comme celle-ci. Désolée, je n'ai filmé qu'une pomme parce que j'avais déjà épluché l'autre. J'avais complètement oublié. Il nous faut un rouleau de pâte. Vous pouvez utiliser une pâte feuilletée ou une pâte brisée. Ça dépend de vous. Moi, je les utilise l'une ou l'autre, hein, peu importe. Il nous faut 250 g de compote de pomme. Alors, ça peut être une compote que vous avez fait vous-même à la maison ou vous avez acheté, hein. Il nous faut 30 g de beurre, un peu de sucre. Si vous avez du sucre roux, de la cassonade, ben vous l'utilisez. Moi, j'en avais pas, j'ai pris du sucre blanc. Il nous faut de la cannelle et 4 ramequins. Alors, si vous avez des moules à tartelettes, vous pouvez les utiliser. Moi, je voulais utiliser des ramequins, voilà pourquoi. Et voilà, nous allons commencer notre recette. Alors, lavez et épluchez vos pommes, retirez le trognon, coupez-les en tranches et réservez. Beurrez vos ramequins ou vos moules à tarte et étalez votre pâte sur le plan de travail. Alors, à l'aide d'un ramequin ou d'un moule à tarte beaucoup plus grand que celui que vous utilisez, faites des ronds sur la tarte. Moi, j'en avais pas, du coup, j'ai utilisé le même ramequin, sauf que j'ai rajouté 1,5 cm de plus dans la pâte que j'ai découpé avec mon couteau. Alors, si ce que je fais sur ma chaîne vous plaît, ben likez, laissez-moi des messages, partagez, abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés et surtout, cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste de nouvelles vidéos. Merci pour vos encouragements. On continue la recette. Alors, moulez le rond de pâte obtenu dans le ramequin. Foncez-le bien. Alors, surtout, faites attention de bien faire adhérer la pâte sur le ramequin. Ensuite, à l'aide d'une fourchette, piquez le fond de tarte. Puis, mélangez la cannelle avec la compote de pomme. Ensuite, mettez quelques cuillères dans chaque ramequin. Ensuite, disposez les tranches de pommes sur la compote de pommes. Bah, dégeler les pommes avec le beurre fondu.
Ça y est, les tartelettes sont prêtes. Vous pouvez maintenant les déguster.